Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous Horizon 2.2 toujours. J'ai donc pu faire un petit résumé de ma liste et de ce que je vais pouvoir trouver et comment je vais pouvoir le trouver. Par exemple, je sais que le zinc, le tungstène et le molybdène sont présents sur une planète, dans un système pas très très loin, donc à Sumanus A3, donc la planète A3. Je sais que les élages précipités se trouvent principalement sur les Viper MK4. Donc faut trouver des zones de combat ou des zones de RES ou des zones anarchiques. D'accord, excusez-moi, je suis en train de discuter avec d'autres personnes. Et pour les composants paramétrables, il faudra aller, on est encore dans un système anarchique, buter des T6, des T9 et des Hauler. Donc voilà ce qui nous attend, chers amis. Ça risque d'être assez long, surtout toute la partie buter les gens, parce qu'il faudra récupérer tout ensuite derrière, tout ce qui nous intéresse derrière. Ce qui risque d'être assez compliqué finalement. Encore faut-il les trouver. Si tu fermes bien en 4 jours, tu peux avoir accès à la corvette. Peut-être qu'un jour j'aurai le temps. Hop. On y va. Donc là, je vais dans la balise de navigation du système Euribia, qui est un système en anarchie. Du coup, il faut. Il faut tenter le coup, si je puis dire. Et voir ce qu'on va y trouver. Sachant qu'on va essayer de faire passer nous tout ce qui est voilà par exemple. Donc j'aimerais bien voir mon armement. Ok. Crac. Oula. Ça devrait pas être très très dur hein. Hop. Voyons voir. Crac, parfait. Et donc l'objectif maintenant ce serait de voir dans ce qu'il a lâché s'il y a, donc chez nous on cherche principalement des composants paramétrables. Composants conducteurs, composants conducteurs, composants conducteurs. Donc rien de ce qui nous intéresse à l'heure actuelle. C'est vraiment dommage. Tant pis. On va rester dans le coin, hein, vu qu'on a trouvé un hauler dès le départ. J'imagine qu'on va en trouver un certain nombre ensuite, avec un peu de chance. Ah, qui me scanne? Qui ose me scanner? Sans doute toi. Force de résistance. Ça ressemble bien parce que il est possible aussi que je trouve des choses sur vous. Dératisation, dératisation. Je te merde, hein, au passage. Hein. Ok. Donc toi, tu cherches la merde. Tu vas la trouver. De toute façon, tu m'as mal parlé dès le départ. Reviens là. Il est un peu trop squishy. On va tenter un truc. Crac. Voilà. C'est clair que là ça a l'air efficace. Alors maintenant on va aller voir ce qu'on a trouvé là. En l'occurrence condensateur hybride. Donc rien d'intéressant une fois de plus. Viper MK4, là par contre ça on va attaquer. Ça apparemment on trouve souvent des alliages précipités sur les Viper MK4. Et donc j'en ai véritablement besoin. Ohara, vétéran et ils sont... Ah la vache. En plus c'est la Blue Mafia. Ah là 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 là. Ils sont à 3, donc à 3 je vais pas m'attaquer à 3 bonhommes. Clairement. Il y a un Howler ici aussi dans le coin. On va aller stacker au Howler. Vidar. Vidar, Vidar, bonjour Vidar.
Crac. Servidar. Hop. Vidar, Vidar, où es-tu, Vidar? Tu es ici. Bonjour, Vidar. Tu sembles être quelqu'un d'assez peu dynamique, hein, je veux pas dire. Voilà. Crac. Merci d'être venu. Composant conducteur. Malheureusement, je crois que c'est tout ce qu'il a lâché, le pauvre. Ferraille mécanique, plaine de dissipation dynamique, émetteur de bouclier, composant conducteur, composant... non, moi c'est des composants paramétrables qui m'intéressent. Du coup, on trouve pas ce qu'on cherche. Haha. On va aller voir l'autre Viper. Sait-on jamais. Peut-être trouver quelque chose. Il est là d'être dans le groupe, hein. Ouais, il est là d'être dans le groupe. Je peux pas m'attaquer à un groupe de 3 tout seul. Ça va être bien trop compliqué. Je crois que eux aussi le savent que je vais pas m'attaquer à eux, du coup ils se disent on va le laisser tranquille. Il n'empêche que je vais quand même attaquer le header. Soyons fous, s'il est pas dans le groupe de 3, je l'attaque. Allons-y. Frau Elise Arkia, sait-on que jamais ça pourrait bien se passer. Pour l'instant, j'ai pas de raison de sortir les missiles, donc ça se passerait bien. Par contre, j'ai vraiment l'impression que nos canons font beaucoup plus de mal, par contre, pour le coup, là. Parce que je me rappelle que la dernière fois, j'avais du mal à taper... Quoique, j'ai pas tapé des gros... Des grosses machines, jusque-là. Donc ça devrait aller aussi. Hop, allons-y. Je crois que c'est un des groupes de 3, justement. Ouais, ça m'inquiète. Ok. Vache. En tout cas, en termes de température, ça va très très vite. Oh, pardon. J'ai pas l'impression que t'as lâché ce qui m'intéresse, cela dit. Jock, tu m'aurais pas attaqué par hasard. Parce que je suis désolé, Jock, mais la, enfin. Non, allez, on y va. Ok. J'ai loupé. Là, je l'ai pas loupé. Ah, par contre, j'ai plus de bouclier, donc non, fuite. Fuite, 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 fuite. J'avais pas vu ça. J'ai pas vu mes boucliers partir. Wouh! La vache! J'ai pas vu mes boucliers descendre. Je les ai pas du tout vus descendre. Donc là, pour le coup, ça pue du cul. Faut être honnête, hein. Là, pour le coup, ça pue du cul. Bon, j'ai attaqué un groupe de 3 personnes aussi, donc avec 2 Viper MK4. Et je me suis attaqué au plus faible sans avoir trop de facilité pour autant. Donc l'erreur était là, hein. Clairement, l'erreur était là. Qu'est-ce qu'on a dans le coin, précisément? Est-ce que je peux rapidement refaire un plein ou pas? Non. Non, non, non. Donc Eurybia n'est peut-être pas forcément le meilleur des points de la zone. On peut aller vite fait voir ce qu'on va trouver. État. Normalement, il y a quelque chose là-dedans. Anarchie. Alors, c'est dans le gouvernement? Non, bah non. Si, voilà.
Voilà. Anarchie. Avec un commerce de métaux, ce serait encore mieux. Apparemment, les trois sont des... J'ai aucune donnée du système ici. Ici, j'en ai, cela dit. On va aller voir là. C'est loin, ça? C'est loin. Ça, c'est pas méga loin. Je pourrais tenter d'aller là. Je vais tenter d'aller là, on va bien voir ce qu'il y a autour de la planète. Hop, on y va. Crac, on va bien voir. Je teste. Je testicule. Regarde juste l'heure qu'il est ici. Pratiquement 18h. Ouais, donc j'ai passé beaucoup de temps en fait à retravailler le NB, comme vous pouvez sans doute le voir maintenant. Qui est légèrement différent. Peut-être un peu plus ressemblant à ce qu'il était à l'origine. Parce que le jeu est à l'origine, mais avec des couleurs bien plus prononcées et des effets bien plus présents, on va dire. En tout cas, il faut qu'on trouve des zones anarchiques. Et pourquoi pas des RES anarchiques pour farmer et Viper et vaisseaux de transport. Pour qu'on puisse trouver des alliages précipités, des composants paramétrables. Ensuite, pour ce qui est de ce manus là, Sumanus, ce qui comme ça fait très bizarre dit comme ça. On va dire ça comme ça. Je pense que ça devrait se faire assez rapidement maintenant qu'on a trouvé la technique pour le farm planétaire. On verra, on verra, on verra, on verra. Du coup, j'ai sans doute dû oublier de répondre à. J'ai oublié de répondre. Je répondrai après parce que là, c'est une question de farm. Watport, on y va. Alors, je vais en profiter pour regarder, chers amis, dans ce système. Voilà, alors c'est ça que je cherchais, des zones de conflit. Bah c'est parfait. Je ne dis plus rien, j'ai trouvé ce qui m'intéresse. C'est absolument parfait. Puisqu'en fait c'est dans ces zones de conflit que je vais pouvoir tout simplement à la fois garder potentiellement, parce que ça dépendra des deux factions qui sont en conflit, garder potentiellement la faction que j'ai déjà actuellement en ami, si c'est Arabia Blue Mafia, de mon côté, tout en tapant les autres joueurs, enfin les autres PNJ. Donc ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Surtout si on tombe sur Mass MK4, T6, T9, par contre, Hauler, on va pas les tomber dans une zone de conflit, malheureusement. J'aurais préféré un RES à ce sujet-là. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Mais il me semble que dans ma... Dans ma liste, j'ai actuellement... Oui, je crois que j'ai ça. J'ai actuellement... un RES anarchique... rempli de vaisseaux de transport, de mémoire, de mémoire, de mémoire. J'avais déjà donné cette annonce-là à Heisenberg, il me semble, de mémoire, il y a assez peu de temps, et par conséquent... En tout cas, je sais comment en trouver. Donc, voilà. Si j'en ai pas, je sais comment en trouver. Je vais déjà montrer à peu près tout ça. Comment je fais pour trouver toutes ces choses-là. Via eddb.io, via inara.cz, bref, vous pouvez absolument tout trouver, vous inquiétez pas. On y est presque. On y est presque. Crac. Alors, soit je reste sur ce format-là. En fait, là, il y a plusieurs choix qui se proposent à moi. Là, je vais avoir tourné quelques vidéos qui devraient donc être aujourd'hui. On a la 161. Ou la 162. Donc aujourd'hui. Donc, après, j'ai lundi. Après, j'aurai mercredi. Soit je reprends une session de farm complet, donc dans la semaine, pour du coup vendredi, dimanche. Ce qui me faut encore une vidéo derrière. Alors soit je fais ça, et soit je tourne cette vidéo là et j'annonce ce qui va arriver dans la 2.3. Je fais une petite vidéo d'annonce où je laisse un trou, c'est pas grave, on verra. Soit.
je retourne une vidéo cette semaine. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais retourner une petite vidéo de farm, de comment de... J'allais dire une session, mais non. De farm, de... de kill dans la zone de combat, je pense que c'est ça que je vais faire. Et une fois la 2.3 sortie, on verra sur peut-être qu'on va se focaliser un petit peu sur les nouveautés pratiques. Je parle de la personnalisation du personnage, je parle du nom du vaisseau. On va peut-être se focaliser un petit peu là-dessus le temps de quelques épisodes avant de revenir à la chasse et aux farms des composants. C'est possible, je pense que ce serait tout à fait honnête de faire ça. Ouais, ce serait pas mal. Ok. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de l'ENB. Dites-moi ce que vous pensez aussi du fait d'avoir potentiellement un jour ou l'autre l'arrivée d'un casque VR sur cette série. Si vous avez regardé des gameplays VR, je vous invite à... Si vous n'avez pas regardé de gameplay VR du jeu, déjà, je vous invite à le faire. Et si vous en avez regardé, dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. Et si ça vous plairait de le voir sur la chaîne. Si vous avez des idées sur le financement de ce système. Si vous souhaiteriez m'aider à le financer ou pas. Dites-le moi dans les coms, en tout cas moi je serais ravi d'avoir votre avis, tout simplement. Donc les amis, moi je vais rentrer dans l'hangar, service de spaceport, réparer le vaisseau, réarmer le vaisseau, me préparer à une prochaine vidéo. En tout cas les amis, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens et yop.